L'escadrille des Cigognes, l'une des plus prestigieuses de la chasse française, est cantonnée sur la base de Dijon. Depuis plusieurs mois, Michel Tanguy et Ernest Laverdure volent sur avion supersonique et sont devenus des pilotes chevronnés. Tanguy a été séduit par Nicole, la secrétaire du colonel. Quant à Laverdure, il en est déjà à sa 17e idylle bourguignonne. Sur la base où les vols se poursuivent jour et nuit, l'entraînement prend les formes les plus variées. Secondes pour intervenir et sortir le guiche du brasier, c'est pas mal. Hein. Oh, Tanguy, le colonel vous demande à son bureau. Ok, j'y vais. J'ai une mission à vous confier à tous les deux. Et nous attendons des invités. Deux officiers pilotes canadiens qui viennent se faire lâcher sur Mirage 3. Je voudrais que vous les preniez en charge. Ils débarquent demain matin à Orly, mais ils ont demandé un battement de 24 heures pour visiter de la famille à Paris. Tous les Canadiens ont une tante qui travaille au Lido. Oui, bien sûr. Et un cousin comptable au Chrysler Saloon. Bref, vous me les cueillez après demain matin à l'arrivée du train et vous veillez sur leur installation à la base. Voilà, ce sont le capitaine Louis Gagnon et le lieutenant Steve Lester. Regarde. Quels sont les effets personnels? Oui. Capitaine Gagnon, oui. Lieutenant Lester. Oui. Lieutenant Michel Tanguy. Bonjour. Enchanté. Bonjour. Mademoiselle Nicole Laugier. Bonjour. Enchanté. Mademoiselle, mais je ne comprends pas, nous ne devions nous retrouver que demain à Dijon. Affirmatif, mais le colonel a pensé qu'il vous serait agréable d'avoir une voiture et de gagner Dijon par la route. D'ici là, rien ne change à votre programme, naturellement. C'est vraiment très aimable. Alors allons-y. Et nos bagages. Nous les ferons charger dans le coffre. Allez-y. Non, pas vers Paris? Pas exactement, non. Qu'est-ce que vous pensez? Vous êtes fou? Ne vous fatiguez pas, gentlemen. Ces portières sont verrouillées électriquement depuis le tableau de bord. Si! Et maintenant, messieurs, tendez-moi gentiment vos poignets. Allez. Pour une fois, c'est une dame qui va offrir les bracelets aux messieurs. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Vous payez des vacances. Je vous préviens, demain, nous sommes attendus à Dijon. Ne vous inquiétez pas, vous y arriverez. Enfin, je veux dire, le capitaine Gagnon et le lieutenant Lester y arriveront. Jusque-là, tenez-vous tranquille. Une petite surprise vous attend à l'aube.
absolument incroyable. Franz, on m'avait bien dit que vous étiez le seul homme au monde capable de fabriquer des sosies. Vous êtes génial. Vous me flattez. Disons que je suis physionomiste. Messieurs, admirez. Par ici. Allez. Mais c'est pas possible. C'est like a nightmare. Je vais vous casser la gueule, moi. And me too, mister. Allons, allons, gentlemen. Pas de gestes regrettables. Jacqueline, faites asseoir ces messieurs. Robert, enlevez leur bracelet entre Jean Dumont. Jean Dumont. Jacqueline, apportez des verres. On va offrir un whisky à ces messieurs. Tiens, j'ai du bon rail canadien ici. Comme ça, vous serez moins dépaysés. Que voulez-vous de nous? Rien exactement. Vous ne disiez que vous ne fassiez plus rien. Je n'irai pas jusqu'à dire « mourez, nous ferons le reste », mais c'est un peu ça. Vous oubliez que nous sommes en mission officielle. Au contraire, je ne pense qu'à ça. Mais vos deux frères jumeaux vont se faire un plaisir de vous décharger de cette besogne fastidieuse. Vous n'aurez qu'à leur prêter vos uniformes, vos papiers et vos ordres de mission. Allons, déshabillez-vous. Allons. Vous pouvez prendre nos têtes, nos uniformes. Mais je vous dévoile le nez de vos deux farceurs quand on va les asseoir aux commandes de jet. Ah, mais justement, ils n'attendent que ça. Nos deux amis sont d'excellents pilotes. Avant d'avoir eu quelques petits ennuis personnels, ils avaient chacun à leur actif 1000 heures de réacteur. Et je suis sûr qu'ils auront à cœur de vous faire honneur. Passeport, ordre de mission, licence de vol. Mais ce ne sera même pas nécessaire de maquiller les photos. Décidément, Franz, vous méritez des félicitations. Je préfère les billets de 100 dollars. Votre montre. Si vous le permettez, je vais rectifier les moustaches de nos amis en m'inspirant du système pileux de ces deux gentlemen. Je veux qu'ils soient de vraies photos vivantes. Pourquoi votre moustache? Ma femme, il y a 8 jours. Ah. Vos poches. Messieurs, asseyez-vous. Jacqueline, venez m'aider. Vous vous en tirerez pas. Nous utilisons une clé codée pour nos communications avec le headquarter. Le code V35A, peut-être. Notre organisation, c'est tout. C'est diabolique. Il n'y a pas 10 personnes en Europe à connaître cette clé. 10 personnes pour un secret, c'est 9 de trop. Alors, gentlemen, soyez beaux joueurs. N'êtes-vous pas aussi impatient que moi de savoir comment vont vos uniformes à vos jumeaux? Qu'allez-vous faire de nous? Vous rendre la vie le plus agréable possible pendant une 15aine de jours. Voilà, patron. Les retours sont terminés. Messieurs. Hallucinant. Vos propres femmes s'y tromperaient, gentlemen. Oh, Hermès. Sur moi. Capitaine Gagnon, lieutenant Lester. Ah oui, lieutenant Michel Tanguy. Mademoiselle Logis. Glad to meet you. Le colonel l'a chargé de veiller sur votre confort ici. J'espère que votre séjour ici sera très agréable. Il me paraît comme si je suis les plus charmants de Suisse. Ah, voici nos bagages. Mon chauffeur va s'en charger. Je vous propose de rentrer immédiatement à la base. Merci. Mademoiselle Logier vous installe. Ensuite, bon. Je vous présente au colonel. Je vous en prie. Excellent programme.
Tout ça me paraît parfait, monsieur. Nous ferons tout pour que vous gardiez le meilleur souvenir de votre séjour à la base. Merci mon colonel. Voilà. Notre désir est d'être lâché en solo le plus tôt possible. Vos moniteurs, les lieutenants Tanguy et Laverdure vont s'y employer. Tanguy n'est ici que depuis 8 mois, mais c'est un de nos meilleurs pilotes. Vous prendrez ces messieurs en main dès demain. En attendant, faites-leur les honneurs de la base. Et présentez-les aux pilotes. Bien, mon colonel. Évidemment ! C'est pas le château de Versailles, ça. Enfin, vous avez l'eau courante et l'air conditionné. Ah oui, il vous suffit d'ouvrir en même temps la porte et la fenêtre, et puis... Et de bien vous couvrir, surtout, parce que... Vous serez très bien, vous verrez. Ah, ça t'attend. Et qu'est-ce qu'il y a à faire à Dijon ? Ce qu'il y a à faire à Dijon ? Tu l'entends ? Mais des tas de choses ! On vous montrera, si ça vous intéresse, le palais des Ducs de Bourgogne. Oui, alors, si l'archéologie et les beaux-arts vous attirent, vous suivez Michel. Par contre, si vous préférez visiter les caves, vous... Comment dirais-je, les lieux propices à la méditation, alors vous venez avec moi, alors là je me ferai un plaisir de vous montrer le Dijon by night. Le banc d'essai des réacteurs. Quelle est la consommation de ces réacteurs ? Oh, les écarts sont considérables. 25 litres à la minute en régime économique et 250 litres à la minute, c'est-à-dire tout à fait. Alors, faire un tour dans les hangars d'entretien. Alors, vous voyez, la partie arrière du fuselage est amovible. Après vérification, le réacteur coulisse dans l'avion sur ces deux rails que vous voyez. Astucieux ! Votre fameux radar de tir, n'est-ce pas? Il paraît que c'est un modèle complètement modifié. Et ses performances sont vraiment, c'est remarquable. Top secret. Même pour nous. C'est trop long, Max. Trop long. Voyons, cher ami. Vous savez très très bien que si nos deux Canadiens sont démasqués, ça peut mener très loin. Et combien y a-t-il de chances qu'il soit démasqué? Aucune. Ils ont sympathisé avec tout le monde. Ils ont pratiquement accès à toutes les installations de la base. Et d'ici quelques jours, ils seront lâchés seuls sur l'avion. C'est tout de même trop long. Et Max, vous avez trop confiance en vous. Sachez que si je suis ce que je suis, c'est parce que je me méfie toujours de tout le monde. Et surtout, de moi-même. Et aussi parce que votre oncle vous a légué 2 mines d'or en Afrique du Sud. Max, je déteste ce genre d'ironie. Excusez-moi, je ne voulais pas. Bref, Max, l'affaire des Canadiens doit être terminée d'ici la fin de la semaine. Rassurez-vous, monsieur. Aucune affaire n'a jamais été aussi rondement menée. C'est ça, votre fameux monte-fusée? C'est un moteur d'appoint et il sert essentiellement pour les missions à haute altitude. D'ailleurs, vous allez le voir fonctionner au vent. Combien de temps peut fonctionner la fusée? Combien de temps brûler la fusée? 114 secondes. Fameuse impasse. Un vrai chalumeau. Alors vous voyez, le moteur fusée se fixe sous l'arrière du fuselage. Il ne restera plus ensuite qu'à faire le plein d'acide nitrique. 313 mètres. Voilà nos nouvelles fusées de combat. La tête électromagnétique sont des engins RR, tout secteur. Ultra secret, bien entendu. Du secteur, que voulez-vous dire? Bien que le pilote n'ait même plus à s'aligner dans le sillage de l'avion ennemi qu'il poursuit. L'engin fonce automatiquement sur l'objectif, comme attiré par un aimant. Ah.
Avec de tels engins, c'est le coup au but assuré, imparable. L'ennemi est détruit à distance sans même avoir aperçu son intercepteur. La surprise est totale. Oui. Tous nos avions en alerte sont munis de fusées de ce genre. Elles sont armées dès le signal du décollage. Intéressant. Très intéressant. 4340. Un degré à gauche. Encore. Réagissez plus vite en finale. Très bon ça. Ok. Ok, tout réduit. Je sors le train. Affirmatif. Sortez votre train. Verrouillé. Ok. Achevez votre atterrissage. Bon, ça va. À vous, Lester. Tiens, Ernest. Il peut faire chaud là-dedans, un vrai coup. Votre calvaire est terminé. Ah, ça va, vous êtes au point. Demain, on vole pour de bon, hein. Good. Salut. Salut. Dis donc, ta nouvelle chignole, elle est terrible. Hein? Je veux, j'y ai englouti 2 ans d'économie. Tu vas faire des ravages avec ça. Ah oui, tu vois. Bon, ben, moi, je vais me changer. Salut. Ben, où tu vas? Tu seras jamais prêt ce soir pour dîner avec les Canadiens. Oh là là, j'avais complètement oublié. Tu m'excuses auprès d'eux, hein, je peux pas venir. Ah, tu peux pas venir? Pourquoi? Je suis un peu grippé. Bon. Et Nicole? Elle peut pas venir non plus. Elle est grippée? Non, non, sa grand-mère arrive. Oh. Je ne peux pas laisser cette pauvre vieille toute seule, tu comprends bien, hein? Allez, salut. Trenton, hein? Vous avez fait votre instruction à Trenton. Ben ça, c'est très amusant parce que moi, j'y ai fait un long stage. Hein? Oui, oui. Vous voilà en pays de connaissance. Décidément, le monde est petit, hein? Ce sont les avions qui vont vite, mon commandant. Chin! Chérie. Trenton. J'y suis resté 1 an et demi, j'en garde un souvenir formidable. En quelle année y étiez-vous? En 50. En 50? Oui. Ah ben j'étais aussi à cette époque, on aurait dû se rencontrer. C'est Van Rikir qui embrouille ce pauvre Steve. Voyons Steve, c'est en 51 qu'on était à Trenton. Souviens-toi, puisqu'on est envoyé à Toronto en 53. Ah oui, oui, c'est ça. Mais en 51, j'étais toujours à Trenton. Il y avait beaucoup de monde. J'avais pas de moustache. À quel squadron étiez-vous? Le 15e. Oui. Le 15e, alors vous connaissez Charles Gassett. Oh, Charles Gassett. Je pense bien. Et vous vous souvenez de son fameux cocktail? Non, plus très bien. Alors, il était célèbre sur toute la base. Souvenez-vous, les moutons. Les moutons? Quels moutons? Oh, un jour de biture. Gussick s'était mis dans la tête de faire goûter son fameux cocktail à des moutons sur la base. Alors naturellement, les pauvres bêtes sont devenues enragées. Et nous, toute la nuit, on a chassé le mouton sur les pistes. Aucun zin, il ne pouvait plus décoller. Je me souviens maintenant. On nous a raconté cette histoire, mais à l'époque, nous étions absents pour faire une série de tests médicaux. C'est ici le dîner avec les Canadiens? Oui, c'est ici. Il y a un restaurant ici? Et les autres au restaurant? On leur dira qu'on est au 20 ans.
Avec une voiture neuve. Santé. Santé. Un petit peu aussi. Ah, merveilleux. Merci. Pour moi, une bonne bouteille de Bourgogne peut remettre en question tous les fondements de la civilisation américaine. Vous avez dit qu'on me retrouve en France. J'ai vraiment cru me retrouver chez moi. Et j'avais d'ailleurs oublié combien les Françaises peuvent être charmantes. Oh, vous savez, les Canadiennes sont pas mal non plus. Moi, je connais une certaine Marie. Hein. Mm-hmm. Pardon, mais... Te vante pas. Vous vous souvenez de la belle Suzy? Celle pour laquelle la moitié des pilotes de Trenton avaient failli s'entrégorger. Suzy? Suzy... Wilkinson? Ah oui, bien sûr. Je pensais à une autre Suzy, Suzy Williams, que j'ai également connue là-bas. Oh, mais voyons, Gagnon. Un pilote de Trenton ne peut pas ne pas se souvenir de Suzy Wilkinson. Lester, elle tenait cette petite boîte, juste en face de la base. Alors, Gagnon, hypocrite, tu vas finir par nous faire croire que tu n'as jamais mis les pieds à Trenton. J'ai de bonnes raisons pour ne pas vouloir me rappeler de cette personne. Oh! Je comprends. Ah, c'était une personne redoutable. Mes belles filles. Encore un peu de vin, mademoiselle. Dites-moi, mon capitaine, cette fameuse Suzy dont vous parliez tout à l'heure, oui. Elle était vraiment si terrible que ça? Elle était comment? Elle était comment? Oui. Elle n'était pas. Quoi? Je l'ai inventée de toutes pièces. Enfin, Lester et Gagnon prétendent qu'ils l'ont connue. Oui. C'est bien ça qui est étrange. Allez, hop, montez. Allez, à la dernière.